but you. Father, I don't wanna love nobody but you. I really mean it this time. I don't wanna love nobody but you. Jesus, I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Être capable de résoudre, mais Dieu est capable de le faire. Nous allons prendre le cas du salut par exemple. Bien aimé, c'est à cause du péché que l'homme a été séparé de son créateur. C'est à cause du péché que l'homme a été épargné de Dieu. Mais tellement Dieu est amour, tellement Dieu est grand, et selon sa miséricorde, il a mis au point le plan du salut depuis le jardin d'Éden. Ah, il va faire une déclaration à Satan. Et je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Il va lui dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien aimé, ce verset est une prophétie. Ah, ce verset est une promesse qu'un jour, un certain fils descendant d'Ève naîtra dans le monde pour combattre Satan. C'est ce qui fut fait, puisqu'il est écrit dans Galates chapitre 4, le verset 4 à 5. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi, né d'une femme, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Bien-aimé, écoute-moi très bien. L'homme peut inventer par sa science de puissantes technologies, il sera toujours limité, peu importe son intelligence. Mais Dieu est capable de tout. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que je comprends? Je suis en train de comprendre. Si Dieu a créé la lumière, ça veut dire qu'il est lui-même la lumière. D'où il a dit, je suis la lumière du monde et tout ce qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. J'ai envie de te dire, si Dieu est la lumière, je prie que la lumière soit dans tes affaires. Si Dieu est la lumière, je prie. Maracucha, pendant que je parle, j'entends un nom là, comme Foutou, Foutou, Foutou. C'est vous, j'arrive. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Si ton problème est bloqué devant et derrière, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le ciel est ouvert. Si tes études sont bloquées devant et derrière, à gauche, à droite, j'ai envie de te dire, le ciel est ouvert. À la fin de cette réunion, je prophétise sur ta vie que le ciel s'ouvre pour ton mariage. Ah, que le ciel s'ouvre pour tes finances. Bien-aimé, oh, dis avec moi un, dis une. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu a la capacité de changer ta vie rien que dans une seconde. Dis à ton voisin comment? Par la parole. Je suis dans les évangiles de Matthieu chapitre 8, le verset 5.
La Bible nous décrit une histoire d'un centenier qui avait son serviteur malade. La Bible dit, pendant que Jésus montait dans Capernaüm, un centenier l'aborda en disant, maître, mon serviteur est couché à la maison, atteint du paralysie et souffrant beaucoup. Mais tellement Jésus est un Dieu de promesses, il lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais j'ai aimé la réaction de cet homme. J'ai aimé cet homme parce qu'il était prophétique. Il s'est dit en lui-même, oui, je sais que Jésus va guérir mon serviteur, mais je ne veux pas que tu viennes sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis en train de comprendre que Jésus est un Dieu de parole. S'il parle et la chose s'accomplit. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, donne-moi parole, donne-moi parole, donne-moi, fais-le bien, fais-le bien, donne-moi parole. Il est écrit, la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Donne-moi parole. Oh, fais-le bien. Oh, donne-moi parole. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donne-moi parole. Ah, donne-moi parole. Il est écrit, la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. Ah, Marachouda Zite Perea. Rodalia, j'aimerais te dire, attends-toi à des surprises inattendues. Tu auras des tout à coup. Que quelqu'un dit avec moi tout à coup. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble dans un même lieu. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu. Tout à coup, j'aimerais te dire, ta vie changera. Oh, dis-moi tout, dis-moi tout. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez-le que vous l'avez reçu. Dis-moi tout, dis-moi tout. Il est écrit, est-ce que tu es là, jeune? J'aimerais te dire, est-ce que tu es là? Ah, je te sens pas. Si tu es là, lève-toi. Eh, ma Kiza. Lève-toi, lève-toi, bien-aimé. Jeune, tu vas dominer. Tu es de la race de Joseph. Tu es de la race de David. Dieu a dit à Abraham, dans sa progéniture, toutes les nations de la terre sont bénies. Eh, tu es cette progéniture d'Abraham. Tu es coïncide avec Christ. Donc, tu prends part aux bénédictions d'Abraham. Tu es béni et non maudit. La Bible dit, maudit est quiconque qui est pendu sur un arbre. Oh, j'annule toute malédiction contre tes affaires. J'annule toute malédiction contre ta vie de prière. J'annule toute malédiction contre... Eh, Maya, je vais chuter par là. Je vais laisser la place à papa. Mais, permettez-moi, je vais voir un peu. Je vais prophétiser un peu. Je vais laisser la place à papa. Mais, est-ce que tu aimes la prophétie? Est-ce que tu aimes la prophétie? Pendant que je suis en train de vouloir clôturer, j'ai entendu un nom comme Foutou. Dieu m'a dit que c'est vous, maman. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Je veux voir un peu. Un peu seulement. Après, je vais laisser la place à papa. Ok, maman, vous allez bien? Vous savez que Dieu vous aime? Parce que pendant que je parle, Dieu était en train de me dire, vos prières, il était sur le point de répondre à ça. Parce que je vous ai vu, vous êtes... Oh, Rachou, tape-moi la main. Tape-moi la main. Calm down, calm down, calm down. Tape-moi la main. D, tape encore. O, tape. N, tape. A, tape. L, tape. D, ça fait quoi? Je vais l'aider. Ça fait Donald. C'est qui Donald? C'est mon chien. Oh, mais comment tu célèbres la prophétie? Oh! Oh! Gazato Rabasaya Divaya. Rate Pere Parada Chandaria. Ah! J'ai entendu Donald. Maman, le jour-là, je serai assis. Quand les chants vont commencer à chanter, hein, tu connais déjà la chanson là, non? Les make-up là vont couler de joie. Hein? Oui, ça va couler de joie. Mais je sais pas. Oh, c'est un journaliste? Oui, ça. Oh.
Hein? Je vois quelqu'un à côté de vous, hein? Il n'a pas de cheveux, hein? Un peu de tête sombre. Hein? Oui. Oh, vous savez, est-ce que à cause de tes prières, Dieu a sauvé la mort? Parce que la mort était en train de chercher maman, tu sais. Elle s'appelle Gisèle? Oui. Ok. Elle est née le 20 janvier. Oui. Ok. Est-ce que je peux prophétiser? Ah, ah. Est-ce que je peux prophétiser? Maman, tu entres dans ta saison de gloire. Avant qu'on arrive au 20 janvier, qui est l'anniversaire de ta maman, tu vas vivre la main de Dieu. Si tu ne vois pas ça, cherche-moi et viens me tuer. Car Dieu m'a dit, Marachou des Edeblay. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus ce soir? Jeune, est-ce que tu peux célébrer Jésus ce soir? Ok. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu peut le faire aussi avec toi. Ah, sois gentil, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu peut le faire aussi avec toi. Que Dieu soit loué. Nous voulons écouter la parole de ce soir. Bien-aimés, vous savez, le jeudi, on était ici en intercession, on était en train de prier. Je me rappelle quand papa m'a posé la question sur le thème d'aujourd'hui. Je n'avais rien calculé dans ma tête, c'est venu comme ça. Je lui ai dit, les pionniers d'une génération. C'est après, quand je suis allé dans la présence de Dieu, que Dieu a commencé à m'expliquer réellement ce que les pionniers, c'est quoi un pionnier? Écoutez bien aimé, je crois fortement. Est-ce que tu peux lever ta voix pendant une minute? Dis seulement, Seigneur parle-moi. Dis Seigneur parle-moi, je veux t'écouter. Dis Seigneur parle-moi. Jeune, est-ce que tu peux lever ta voix? Lève ta voix et parle à Dieu. Seigneur, nous te faisons confiance pour ce soir. Parle-nous, ô Dieu. Utilise ton serviteur puissant, éternel. Nous te promettons, Seigneur Jésus, de te rendre toute la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. J'ai ainsi prié avec le Saint-Esprit et nous disons Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter la parole de ce soir? Alors aide-moi à te tenir sur tes pieds. Tiens-toi debout. Nous allons recevoir l'orateur de ce soir. C'est l'ange de la maison. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Alléluia. Est-ce que bien-aimé, vous pouvez m'aider à honorer l'onction de la maison, notre pasteur, pendant qu'il avance, acclamons pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse ta présence. Je disais que Dieu bénisse ta présence. Il est où le frère Daniel? La tenue pastorale est finie. Ok, très bien. Que Dieu te bénisse. Elle est où la modératrice? Oh, vous avez tous disparu. Ah, très bien. D'accord. Je suis agréablement surpris et très content de voir comment Dieu
utilise les jeunes de cette église. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que les jeunes de cette église pouvaient faire du bruit pour vous-même? Non, je disais, est-ce que vous pouvez faire du bruit pour vous-même? Quand j'ai vu la sœur Jessie modérée, j'ai dit, est-ce que c'est la même Jessie que je connais? Alléluia. Je me souviens d'elle il y a encore, je crois que c'était il y a 2 ans quand elle venait d'arriver, c'était lors d'une réunion de la jeunesse. On m'avait soufflé qu'elle est déchantre. Alors je lui ai dit, on veut entendre ta voix, on veut écouter. Est-ce que tu peux chanter? On était assis par là, là. C'était une réunion, je crois, il y a 2 ans et demi quand elle venait d'arriver à l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu peux chanter? Avec sa petite voix, elle a fait, moi, chanter. J'ai dit, oui, il faut chanter. Alors elle avait honte de chanter. Quand je l'ai vue en train de modérer, j'ai dit, waouh, il n'y a que le Seigneur qui est capable de le faire. Amen. Et je crois que le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans sa vie et dans la vie de tous les jeunes de cette église. Alors je dis merci également aux responsables de la jeunesse, Papa Obélan et l'ancien Jérès, avec qui ils sont en train de travailler en ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer pour les leaders de la jeunesse, pour le travail qu'ils sont en train d'abattre? Vous savez, quand on parle de Rehoboth, il a fallu qu'on aille puiser, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Alléluia. Et je constate que depuis que le département de la jeunesse a commencé, ça fait la 3e fois en réalité que nous essayons de relancer les activités. Mais je crois que cette fois-ci, nous sommes dans notre Rehoboth maintenant. Je croyais que tu allais dire amen. Je crois que cette fois-ci, nous sommes dans notre Rehoboth et que nous sommes allés trouver l'eau qu'il fallait et plus personne ne pourra venir refermer le puits que nous avons creusé. Alléluia. Oh, alors le thème qui m'a été donné par vos responsables, alors que je n'avais pas prévu ni d'être là, il m'a dit, c'est toi qui dois prêcher. Alléluia. Et on m'a dit, le thème, c'est les pionniers d'une génération. Pour tout vous dire, jusque hier 23h, je ne savais pas quoi dire. Je me suis dit, bon, je vais aller demain et puis on va prier. Je vais prendre 15 minutes, je vais dire 2-3 trucs et puis on va prier. Et ce matin, au réveil, le Seigneur m'a donné une très forte pensée. Il m'a dit qu'il y a une génération qui s'en va et une autre génération qui arrive maintenant. Alors, on va lire 3 textes. 3 textes. Je vais parler de manière très prophétique. Si tu ouvres ton esprit, tu vas comprendre l'esprit qui accompagne ce message. Et je crois que le Seigneur va nous faire énormément de bien parce qu'il y a des bâtons qui vont être transmis ce soir en ce lieu. Oh, je répète, je disais, il y a des bâtons qui vont être transmis ce soir en ce lieu. Alors on va lire 3 textes dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 6 à 10, 2 Timothée, chapitre 4, versets 5 à 7, et enfin Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4. Juges, chapitre 2, versets 6 à 10. Juges 2, 6 à 10. C'est notre premier texte. Si tout le monde y est, je vais faire la lecture. J'aimerais que tout le monde puisse lire. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas de Bible, mettez-vous à côté, s'il vous plaît, de personnes qui ont des Bibles, pour aider nos amis également à lire le texte. Qu'on puisse, pendant que je vais faire la lecture, que tout le monde puisse le lire également. Très bien. Alors, je vais faire la lecture. Vous pourrez lire dans vos Bibles ou dans vos smartphones. Josué, chapitre 2, à partir du verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Verset 8. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans, en ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération. Quelqu'un dit avec moi, une autre génération.
qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait, ni ce qu'il avait fait, pardon, en faveur d'Israël. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 4, pardon, versets 5 à 7. 2 Timothée chapitre 4, versets 5 à 7. Paul qui parle ici à Timothée, il dit: mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, Ecclésias chapitre 1, verset 4, qui est en réalité le texte d'où j'ai tiré cette pensée. Et je vais même aller plus loin. En réalité, c'est quand j'ai vu le statut de l'ancien Jireh, j'ai vu son statut vers 2h du matin dans la nuit. J'ai vu une autre génération s'élève, Ecclésiaste 1, 4. Alors je suis allé lire le passage et ça fait tic dans mon esprit et j'ai dit voilà, je sais maintenant qu'est-ce que je vais dire demain. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Il est écrit: une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes en train de parler des pionniers d'une génération. Je ne pense pas que je vais enseigner, je crois que je vais plus être prédicateur. Et on va essayer de couler comme ça. C'est quoi une génération? Une génération, c'est une descendance de père en fils. Je vais vous définir d'abord ces deux termes, génération et pionnier, et après on va couler. Une génération, quand on parle de génération, c'est une descendance de père en fils. Une génération, lorsqu'on parle d'une génération, c'est une descendance de père en fils. Une génération, c'est également un ensemble des êtres humains vivant à une époque donnée. Une génération, c'est une descendance de père en fils. C'est également un ensemble des êtres humains vivant à une époque donnée. Mais lorsqu'on parle d'une génération, une génération dure généralement environ 40 ans. Alléluia. Lorsque l'on parle d'une génération, généralement ça dure environ 40 ans. Donc quand on dit une génération s'en va et une autre vient, ça veut dire au bout de 40 ans, généralement on change de génération. Alléluia. Amen, amen. Très bien. Alors c'est quoi un pionnier? Un pionnier, c'est une personne qui ouvre la voie à quelque chose, c'est une personne qui est la première à faire quelque chose. Un pionnier, c'est une personne qui ouvre la voie à quelque chose, c'est une personne qui est la première à faire quelque chose. Pionnier, c'est une personne qui ouvre la voie à quelque chose, qui est la première à quelque chose. Donc déjà, à travers ce thème, quand on parle des pionniers d'une génération, nous sommes ici en présence d'hommes et de femmes qui sont appelés à ouvrir la voie à quelque chose. Oh, oh, votre amen est faible. Je croyais que j'étais avec des jeunes. Je répète, lorsque l'on parle des pionniers d'une génération, nous sommes en réalité en présence de personnes qui sont appelées à ouvrir la voie à quelque chose. On parle de jeunes qui vont être les premiers à faire quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que tu peux commencer déjà, avant même que je puisse avoir fini de prêcher ce soir, à regarder dans ta famille, à regarder tout autour de toi, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, pour que tu puisses déjà dire, je vais être le premier à commencer cette chose, je vais être le premier à ouvrir la voie pour telle ou telle chose. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de génération. Dites avec moi, Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Et quand Dieu appelle un homme, il appelle pour des générations. Alléluia. Quand Dieu appelle un homme, il appelle pour des générations. Quand Dieu se présente devant Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire, Dieu choisit un homme pour travailler avec sa descendance. Il choisit Moïse. Mais quand il choisit Moïse, il lui dit, moi l'Éternel, celui qui se présente à toi, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça veut dire, Dieu est en train de dire, je suis le Dieu d'une famille. Quelle famille? La famille d'Abraham. C'est le même Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une famille. Mais en réalité, il y a trois générations ici.
Dieu est en train de dire, je suis le Dieu de la génération d'Abraham, je suis le Dieu de la génération d'Isaac et je suis le Dieu de la génération de Jacob. Alléluia. C'est le même Dieu. Sauf qu'en réalité, il se révèle à trois générations. C'est comme ça que dans la Bible, on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Les générations peuvent passer, mais Dieu ne passera pas, Dieu ne changera pas, il restera le même. Ça veut dire le Dieu qui s'est révélé pour la génération avant toi est le même qui va se révéler pour ta génération. Celui qui se révèle pour ta génération sera celui qui va se révéler pour la génération qui arrivera après toi. Alléluia. Et quand vous comprenez ces choses, vous comprenez ce qu'on appelle la loi de la continuation. Alléluia. Quand vous comprenez que Dieu est un Dieu qui travaille avec des générations, qui travaille avec des descendances, il appelle un homme pour des descendances, pour des générations. Dieu en réalité travaille selon ce qu'on appelle la loi de la continuation. C'est quoi la loi de la continuation? La loi de la continuation, c'est une loi qui signifie que tout ce que Dieu fait doit continuer, ne doit pas s'arrêter. Alléluia. La loi de la continuation, c'est une loi qui stipule que tout ce que Dieu fait avec un homme ne peut pas s'arrêter et ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Même après le départ de la personne qui a commencé la chose, cette personne peut partir. Mais ce que Dieu a commencé avec lui ne peut pas s'arrêter, c'est dans l'obligation de continuer. Et voilà pourquoi Dieu travaille avec des générations. C'est pourquoi en tant que jeune, vous devez comprendre que ce que Dieu fait avec vous, même si vous partez demain, ça ne s'arrêtera pas. Ce qui commence avec vous, il le continuera avec des gens qui arriveront après vous. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la continuation. Pourquoi? Parce que les projets de Dieu sont trop grands pour une personne. Alléluia. Les projets de Dieu sont trop grands pour une personne. Les projets de Dieu sont trop grands pour toi. Alléluia. C'est comme ça que ce qui est au culte hier, j'ai dit, la mission de Dieu est même plus grande et plus importante que la vie. Ça veut dire ce que Dieu désire faire dans une génération, il peut le commencer avec toi. Toi, tu peux partir, mais ça ne veut pas dire que la mission s'arrêtera. Alléluia. Il choisira une descendance avec qui il va continuer ce qu'il avait commencé de faire. Alléluia. Donc, Dieu travaille selon ce qu'on appelle, il travaille avec les générations et selon la loi de la continuation. Et la seule fois, quand vous regardez un peu l'histoire de la Bible, de Genèse à Apocalypse, où Dieu n'a eu besoin de personne pour faire quelque chose sur terre, c'est lorsque Dieu a eu besoin de Dieu lui-même. Alléluia. La seule fois où Dieu n'a eu besoin de personne pour faire quelque chose sur terre, c'est lorsque Dieu a eu besoin de Dieu lui-même pour faire quelque chose sur terre. Lorsque Dieu avait besoin de sauver l'humanité, en réalité c'est Dieu lui-même qui est venu, mais sous la forme d'un homme maintenant. Alléluia. Ça veut dire que c'est la seule fois en réalité où Dieu n'a eu besoin de personne. Il a eu besoin que de lui-même. Alléluia. Donc toutes les choses, ou toutes les fois où Dieu fait quelque chose, il le fait de génération en génération. Et c'est comme ça qu'on l'a lu tout à l'heure, Ecclésiaste est en train de dire, une génération s'en va, puis une autre vient. Alléluia. Une génération s'en va, puis une autre vient. Pour qu'une nouvelle génération arrive, il faut qu'une première génération puisse d'abord partir. Alléluia. Ok, comme on parle aux jeunes, je vais parler aux jeunes. En tant que jeune, Dieu peut te donner une vision. Dites avec moi une vision. Il est possible que Dieu te donne une vision. Tu peux mourir. Mais la vision que Dieu t'a donnée ne mourra pas. Alléluia. Je répète, Dieu peut te donner une vision. Bien que tu dises, la vision c'est à moi, Dieu me l'a donnée. La vision en réalité, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Quand Dieu donne une vision à un homme, à un jeune, tu dois comprendre que la vision que Dieu est en train de te donner, ce n'est pas une vision pour toi. Toi, tu n'es qu'une personne qui l'utilise pour pouvoir accomplir sa mission à lui. Pour pouvoir accomplir sa vision. Ça veut dire que toi tu peux partir. Dieu peut t'éliminer. Mais si Dieu t'élimine, cela ne signifie pas que sa vision meurt avec toi. C'est toi qui meurs, mais la vision continue. C'est pourquoi en tant que jeune, réalisez que ce que Dieu fait avec vous, il peut le faire avec d'autres personnes également. Alléluia. Si vous ne vous qualifiez pas assez pour la vision que Dieu vous a donnée,
bien qu'il ait commencé la chose avec vous, il est capable d'aller chercher un autre jeune pour pouvoir terminer la vision qu'il a commencée avec vous. Simplement parce que vous ne vous êtes pas assez qualifié pour sa vision maintenant. Alléluia. Dans Genèse chapitre 12, Dieu se révèle à Abraham. Il se révèle à lui pour lui demander de quitter son pays, de quitter la patrie. Et il lui dit, quitte la maison de ton père. On est dans Genèse 12. Vous allez dans Genèse chapitre 13. Après s'être séparé de Lot, l'Éternel fait une promesse à Abraham. Il lui dit, tout le pays que tu vois, il est en train de parler de Canaan. Il dit, je le donnerai à toi et à ta postérité. Écoutez, jeune, dites-moi, la vision, Dieu la donne à qui? Il la donne à qui? Bon, est-ce que Abraham est entré dans Canaan? Alléluia. Il a montré le pays à qui? Et il lui a dit, tu vois le pays, je te le donne à toi et à ta postérité. Mais ce qui m'étonne, c'est que la promesse est faite à Abraham, mais ce dernier n'est jamais entré dans Canaan. Mais moi, je pensais que la mort d'Abraham allait stopper le plan de Dieu. Vu qu'il lui a dit, je te le donne à toi et à ta postérité. Mais vu qu'Abraham n'est pas rentré dans Canaan, moi je croyais qu'Abraham, donc en mourant, ça allait stopper automatiquement le plan de Dieu. Mais je suis surpris de voir que des générations après Abraham, il y a des hommes qui sont entrés effectivement dans Canaan selon la promesse que l'Éternel avait fait à Abraham, lui disant, je donne ce pays à toi et à ta postérité. Alléluia. Ici, Dieu était en train de dire à Abraham, la bénédiction que je te donne, c'est une bénédiction qui est générationnelle. Lorsqu'on est pionnier d'une génération, la bénédiction que vous recevez, ce n'est pas une bénédiction individuelle, mais c'est une bénédiction qui est appelée à être générationnelle. Alléluia. La bénédiction que Dieu vous donne en tant que pionnier dans une génération, c'est une bénédiction qui est générationnelle. Ça veut dire une bénédiction qui est censée passer de génération en génération. Une bénédiction qui va travailler selon la loi de la continuation. Alléluia. Et je prie que ce que Dieu va te donner ce soir, que cela passe d'une génération à une autre. Je répète, ma prière c'est que ce que Dieu va te donner ce soir, que tu ne puisses pas le garder seulement pour toi, mais que ça passe d'une génération à une autre. Ok. Alors, la grande question que tu dois te poser en tant que jeune, aujourd'hui, le Seigneur t'utilise, gloire à Dieu. Le Seigneur t'utilise puissamment, il est capable de t'utiliser puissamment. Mais la grande question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Alléluia. La grande question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi maintenant? Parce que vous devez comprendre que tout ce que Dieu fait avec vous doit devenir une histoire pour ceux qui viendront après vous. Alléluia. Tout ce que Dieu fait avec vous doit devenir une histoire pour tous ceux qui viendront après vous. Ecclésiaste dit, une génération s'en va, puis une autre génération vient. Mais la nouvelle génération qui vient, ils ont besoin de savoir ce que Dieu a eu à faire avec la génération qui est passée avant eux. Donc aujourd'hui, la question que je vous poserai à vous les jeunes, qu'est-ce que vous laisserez demain quand vous partirez? Alléluia. Alors quand tu réalises et tu comprends que ton histoire est appelée à être étudiée et appelée à être vue par des générations qui viendront après toi, tu ne peux plus te permettre de faire n'importe quoi. Alléluia. Tu ne peux plus te permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'est-ce que l'histoire que l'on racontera de toi aux générations qui viendront demain sera digne? Alléluia. Est-ce que l'histoire que l'on racontera de toi aux générations qui vont te suivre sera digne? Il y a des choses que vous ne pouvez plus vous permettre de faire, jeune. Il y a des attitudes que vous ne pouvez plus développer. Il y a des choses que vous devez abandonner. Alléluia. Parce que votre histoire est appelée à être racontée demain aux futures générations. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, sépare-toi maintenant. Alléluia. Abraham, tu es appelé à être un pionnier. Mais parce que je t'appelle à être un pionnier, il faut obligatoirement que tu arrêtes avec certaines choses maintenant.
Tu dois donc te séparer. Alléluia. Le problème de notre génération, des jeunes aujourd'hui, c'est que nous voulons être utilisés puissamment par Dieu. Mais on oublie que derrière le service que Dieu nous demande, il y a une histoire, notre histoire, qui doit être racontée à des générations après nous maintenant. Alléluia. Et tu dois comprendre que ça, c'est le cycle de la vie. Et il est le même pour tout le monde. Ça veut dire, tu nais aujourd'hui, tu es appelé à grandir, et après tu es appelé à mourir. Alléluia. Tu nais, tu grandis, et tu es appelé à mourir demain. Et le jour où tu partiras, je te rassure, tu ne ramèneras rien dans ta tente. Alléluia. Le jour où vous partirez de cette terre, vous n'emporterez rien dans votre tombe. Amasser des richesses, ce n'est pas mauvais. Être jeune, chercher à devenir riche, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais comprenez et réalisez que vous n'allez rien emporter de vos richesses dans votre tombe. Parce que tout ce qui servait sur cette terre doit rester sur terre. Alléluia. Tout ce que Dieu te donne sur cette terre, qui te servait sur cette terre, doit rester sur cette terre. Tu n'as pas besoin de ça au ciel. Je vais aller plus loin. Nous sommes dans une génération où les gens, mon ancien, aiment l'onction. Les jeunes aujourd'hui aiment l'onction. Ah, on veut prophétiser, on veut libérer le feu, on veut prêcher, chanter, que Dieu nous utilise pour faire des miracles. C'est une bonne chose. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. L'onction que Dieu vous donne, vous n'irez pas avec ça au ciel. Alléluia. Peu importe le degré d'onction que Dieu vous donne, vous n'irez pas avec ça au ciel. Au ciel, il y a déjà Dieu là-bas. La cuve même d'onction, toi tu vas aller faire quoi avec ça là-bas? Alléluia. Donc l'onction que Dieu vous donne, c'est pour ici sur la terre. Le jour où vous mourrez, on ne va pas prendre votre onction. Tu ne vas pas dire je vais au ciel avec mon onction. Jamais de la vie, ton onction restera sur terre. Alléluia. C'est comme ça que Élie, quand il part, il devait laisser l'onction à Élisée. Mais Élisée, mon ancien, quand il part, il refuse de laisser l'onction. Élie, quand il part, a laissé l'onction à Élisée. Mais le jour où Élisée meurt, il refuse de laisser l'onction. Mais ce que j'aime, c'est que même pendant qu'il était mort, l'onction était toujours attachée aux os d'Élisée. Élisée meurt. Mais comme il a refusé de laisser l'onction qui lui servait sur terre, l'onction reste attachée à ses os. Alors si vous allez lire dans le livre de Deux Rois, on nous explique maintenant qu'après avoir été enterré, l'année donc après la mort d'Élisée, l'année après la mort du prophète Élisée, il y a des troupes de Moabites qui vont aller pénétrer dans le pays. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enterrer un homme. Mais quand ils vont enterrer cet homme, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jeter cet homme dans le sépulcre où se trouvait Élisée. Un homme mort. Ils le prennent et ils vont le jeter dans le sépulcre où se trouvait Élisée. Mais ce qui m'étonne quand je lis cette histoire, c'est que cet homme qu'on a jeté dans les sépulcres va aller toucher les os d'Élisée et il va reprendre vie. Alléluia. Cet homme qu'on jette dans le sépulcre d'Élisée, il va aller toucher les os d'Élisée. Et la Bible dit qu'il reprend vie et il s'est mis de nouveau sur ses pieds. La question que je me suis posée, cet homme était dans un sépulcre. Il était déjà mort. Mais comment juste le contact avec ses os ont pu ressusciter un homme qui était mort? Je me pose donc la question jeune de savoir, si les os d'Élisée ont pu ressusciter un mort, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec l'onction qu'il te donne ici sur cette terre? Alléluia. Si les os d'Élisée ont pu ressusciter un mort, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec l'onction qu'il te donne ici sur cette terre? Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité cet homme était ressuscité parce que l'onction que Dieu avait donnée à Élisée, il n'était pas appelé à partir avec. Il fallait que ça reste. Alléluia. L'onction que Dieu vous donne jeune, vous n'irez pas avec au ciel. C'est pour que vous puissiez accomplir la mission, accomplir le plan, accomplir la destinée de Dieu pour vos vies. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu des traces et des échos. Dites avec moi, Dieu est un Dieu des traces et des échos.
Ça veut dire que tu es appelé à laisser des traces sur cette terre. Ton parcours sur cette terre doit laisser des traces et des échos. Un bruit doit se faire après ton départ de cette terre. Alléluia. On doit entendre un bruit après ton départ sur cette terre. C'est ça être un pionnier. C'est-à-dire tu as ouvert la brèche à quelque chose. Tu as commencé quelque chose. Et même après ton départ, les gens sont encore en train de parler de ton histoire, sont encore en train de parler de toi. Ça veut dire que ton parcours sur terre a laissé des traces et des échos. Abraham est mort. Regardez, ça fait combien d'années? Mais aujourd'hui, nous parlons encore d'Abraham. Joseph est mort. Ça fait combien d'années? Aujourd'hui, nous parlons encore de Joseph. David est mort. Jacob est mort. Toutes ces personnes sont mortes. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler d'eux. Tu es jeune. Mais tu dois réaliser que Dieu commence à t'utiliser dès ta jeunesse. Et l'histoire qui sera racontée de toi demain ne commencera pas seulement quand tu auras 35 ans ou 40 ans. Mais ton histoire commencera dès maintenant. Alléluia. Quand ton histoire sera racontée, elle commencera dès maintenant dans ton jeune âge. L'histoire de David n'a pas commencé seulement quand il a accédé au trône. L'histoire de David a commencé quand dans sa jeunesse, on est allé le chercher dans la forêt alors qu'il était en train de paître les brebis de son père. Et qu'il fallait que Samuel puisse le oindre. Alléluia. Votre histoire commence maintenant dans votre jeunesse. Les traces et les échos que vous laisserez sur cette terre, on dira de toi, quand il était jeune, âgé de 18 ans, un jour au culte de la jeunesse, il a prophétisé pour une sœur qui s'appelait Nikki. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis un pionnier. Dis avec moi, je suis un pionnier. Et si tu comprends donc que tu es appelé à laisser des traces et des échos, alors j'aimerais te dire que le livre des Actes des Apôtres n'est pas encore fermé. Je répète, le livre des Actes des Apôtres n'est pas encore fermé. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres, je répète, n'est pas encore fermé, ce n'est pas terminé. Je suis en réalité venu révolter un jeune ce soir et lui faire comprendre qu'il y a encore de la place pour ton histoire. Le Seigneur a une histoire à écrire avec toi et il y a encore de la place. Je répète, le Seigneur a une histoire à écrire avec toi et il y a encore de la place. Il faut que tu te révoltes à un moment et que tu dis ce que Dieu a fait avec ces hommes dans leur jeunesse. Il est capable de le faire également avec moi dans ma jeunesse. Ce que Dieu a fait avec David dans sa jeunesse, il est capable de le faire également avec moi dans ma jeunesse. Alors qu'en Israël, personne n'était capable d'aller affronter Goliath. Il y a un jeune homme qui s'est présenté devant lui, qui ne ressemblait pas à un guerrier, qui ne ressemblait pas à un homme de guerre. Mais c'est lui qui a terrassé Goliath, alors qu'il y avait des hommes et femmes expérimentés. Il y a des batailles dans vos familles, il y a des batailles dans cette église, il y a des batailles dans ce quartier, il y a des bataille dans cette ville, que même moi votre pasteur, que même moi votre père, je ne suis pas appelé à remporter, mais je pourrais remporter ces batailles au travers vous les jeunes. Alléluia. Ça doit te révolter à un moment donné et tu dois te dire, il faut maintenant que je fasse ce que le Seigneur me demande de faire. Alléluia. En tant que pionnier, vous laisserez quoi à vos enfants derrière? Vous laisserez quoi aux générations futures? Vous rêvez de laisser quoi à vos enfants? Des parcelles? Des maisons? Des comptes bancaires garnis, c'est ça? Faites gaffe à vous, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ah. Il dit, ne vous amassez pas trop de trésors sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ici sur terre, la teigne et la rouille détruisent. Et les voleurs percent et dérobent. Ça veut dire qu'ils sont capables de venir dérober les maisons que vous êtes en train d'amasser. Ils sont capables de venir dérober les biens que vous êtes en train d'amasser. Mais il dit au verset 20, au contraire,
Amassez-vous des trésors dans le ciel, oh alléluia, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. J'aimerais te dire, la première des choses que Dieu t'appelle à laisser aux générations futures, ce sont ce qu'on appelle des richesses spirituelles. Dieu ne vous appelle pas jeunes à laisser demain quand vous partirez des maisons, à laisser des comptes bancaires garnis. Non, il vous appelle à laisser premièrement des bénédictions spirituelles. Parce que tout ce qui est spirituel, le diable n'aura pas la capacité d'aller dans le ciel pour pouvoir le voler. Mais si vous vous contentez uniquement des choses terrestres, arrivera un jour où un homme peut venir te voler ta parcelle. L'État peut venir t'arracher une parcelle. L'État peut venir t'arracher un titre foncier. Mais l'État ne pourra jamais venir t'arracher les dons que Dieu est venu déposer en toi. Ce sont ces dons que vous êtes appelés à transmettre aux générations qui viendront derrière vous. Alléluia. Le plus grand héritage que vous laisserez aux générations qui vont vous suivre, c'est la foi. Alléluia. Le plus grand héritage que vous laisserez aux générations qui viendront derrière vous, c'est la foi. Et le plus grand héritage que vous recevrez de la génération avant vous, c'est la foi. Jeunes, vous êtes appelés à être des pionniers. Ne cherchez pas à recevoir que des choses terrestres de la génération qui est passée avant vous. Cherchez à recevoir que des choses spirituelles. Votre problème, c'est que vous êtes en train de chercher des choses de cette génération qui est en train de partir. Mais ce que vous cherchez, ce sont des choses qui sont terrestres. Vous cherchez de l'argent. Vous cherchez un travail. Je ne suis pas contre. Vous cherchez des voitures. Vous cherchez le mariage. C'est bien. Mais Dieu est en train de vous dire, jeune, la génération est en une génération est en train de partir de cette génération. Arrêtez de chercher des choses terrestres, mais cherchez à recevoir des choses spirituelles. Le plus grand héritage que nous vous laisserons s'appelle la foi. Alléluia. C'est la foi. Oh. J'aimerais dire à un jeune qui est là ce soir, les gens ne deviendront pas ce que tu dis, mais ils deviendront ce que tu fais. Jeune, les gens ne deviendront pas ce que tu dis, mais ils deviendront ce que tu fais. Ton père ne prie pas. Ta mère ne prie pas. Tes amis à l'école autour de toi ne prient pas. Tu es en train de te battre pour les emmener à Christ. Écoute, ton discours ne pourra pas les emmener à l'église. Vos discours ne pourront pas les emmener à l'église. Ils viendront à l'église par rapport à ce qu'ils vous auront vu faire et non par rapport à ce que vous allez leur dire de faire. Alléluia. J'ai compris quelque chose avec ma petite expérience maintenant, c'est que les gens ne suivent pas les conseils, mais ils suivent ce qu'ils voient les autres faire. Alléluia. Les gens ne suivent pas les conseils. Ils écoutent, mais ils ne suivent pas les conseils. Ils suivent ce qu'ils voient les autres faire. Quand tu commenceras à plus faire que parler, vous verrez que les gens vous suivront maintenant. Quand tu arriveras quelque part et tu seras capable en tant que jeune de démontrer le Dieu que tu es en train d'annoncer, tu verras que les gens te suivront facilement. Votre problème, c'est que vous parlez beaucoup de Jésus. Nous sommes une génération où on aime parler de Jésus, mais nous avons du mal à démontrer ce Jésus. Alléluia. Nous parlons de Jésus, mais nous avons du mal à démontrer ce Jésus. Vous voulez que les gens vous suivent. Vous voulez une jeunesse embrasée, une génération totalement embrasée pour Christ. Alors il faut qu'il y ait maintenant les actes des apôtres qui reviennent au milieu de la jeunesse. Ma prière ce soir est que Dieu suscite dans cette génération, dans cette église, une jeunesse totalement embrasée, une jeunesse prête à continuer à écrire le livre des actes des apôtres. Et Jésus, notre modèle par excellence, avait compris ce principe. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5 au verset 19, il va dire: je ne peux rien si je ne vois pas mon Père le faire. Jésus a compris ce principe. Il dit: moi, je ne peux rien si je ne vois pas le Père, mon Père le faire. En d'autres termes, tout ce que je fais, je peux le faire parce que je vois mon Père le faire. Mais aussi longtemps que je ne vois pas mon Père le faire, moi je ne peux rien faire. Donc Jésus ne s'est pas contenté de parler. Il a compris qu'à un moment donné, il fallait qu'il fasse. Mais pour faire quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui puissent me montrer ce que nous devons faire. Tu veux faire comprendre aux gens qu'il est important de suivre Christ. Ils doivent d'abord voir le changement et la transformation dans ta vie.
Et à ce moment-là, eux aussi accepteront maintenant de suivre ton Jésus. Alléluia. Les générations après vous, vu qu'on dit c'est une génération qui s'en va et une autre qui vient, les générations après vous ne feront que ce qu'ils vous ont vu faire. Alléluia. C'est comme ça que je veux te donner cette vérité et j'aimerais que tu puisses la garder. S'il y a une vérité que tu dois garder de ce culte, j'aimerais que tu gardes celle-là. C'est que la qualité de ce que tu deviens, de ce que tu deviens, dépend de ce que tu as vu auprès de ceux qui t'ont précédé. Je répète, la qualité de ce que tu deviens dépend de ce que tu as vu auprès de ceux qui t'ont précédé. La qualité de ce que vous allez devenir dépend de ce que vous aurez vu auprès de ceux qui vous ont précédé. Quel est le modèle que tu as aujourd'hui, jeune? Quel est le modèle que tu as aujourd'hui, jeune? Pourquoi quand Isaac commence à servir Dieu, il bâtit des autels? Pourquoi quand Isaac commence à servir Dieu, il bâtit des autels? Parce qu'il a vu son père Abraham bâtir des autels. Alléluia. Pourquoi le petit-fils Jacob, quand le Seigneur lui apparaît en songe, le premier réflexe qu'il a, alors qu'il est dans une ville qu'on appelle Luz, il bâtit un hôtel et donne le nom à cet hôtel de Bethel. Pourquoi? Parce que son père était un bâtisseur d'hôtel et son grand-père également était un bâtisseur d'hôtel. Alors il était dans l'obligation de faire ce qu'il a vu son père et son grand-père faire. Ce que vous ferez demain en réalité dépend de ce que vous aurez vu ceux qui vous ont précédé faire. Alléluia. Et c'est comme ça, ce que je veux dire va peut-être t'étonner, c'est que j'ai compris une chose. Quand Jésus était avec les apôtres, il n'avait jamais prévu de les enseigner comment prier. Alléluia. Jésus n'avait jamais prévu d'enseigner aux apôtres, aux disciples avec qui il marchait comment prier. Jésus les envoyait, il leur donnait des missions. Mais quand vous lisez bien, jamais il les a fait asseoir pour dire venez, je veux vous enseigner comment prier. C'est comme ça qu'à un moment donné, les disciples, ils marchaient avec lui. Ils le voyaient tout le temps prier et avoir des résultats. Ils ont dit non, ce type là, il nous envoie tout le temps en mission. Il nous envoie aller prier pour des gens. Mais quand on voit la qualité de vie de prière de cet homme, il faut qu'on aille lui demander un peu comment lui il prie. La demande n'est pas venue de Dieu, c'est pas venu de Christ, c'est venu des apôtres, des disciples qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'en marchant avec lui, ils étaient en train de voir comment cet homme était en train de prier. Alléluia. Et c'est comme ça que dans le livre de Luc, ils vont aller lui dire, attends, Luc chapitre 11, enseigne-nous un peu à prier. Comment tu fais pour prier? Alléluia. Enseigne-nous à prier, s'il te plaît. La demande est venue des disciples. Le fait de voir le maître prier comme ça, ça a suscité quelque chose en eux. Alléluia. Ce que vous voyez des générations qui passent avant vous, Dieu vous appelle à voir ces choses pour que ça suscite quelque chose en vous maintenant. Alléluia. Ce que vous voyez dans les générations qui passent avant vous doit susciter quelque chose en vous maintenant, au point de faire de vous des assoiffés de la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que les autres te voient faire et qui leur donnera envie aussi de venir te demander comme les disciples, dis-moi un peu comment tu fais cette chose. Alléluia. Que fais-tu aujourd'hui que tes enfants voient ou que tes frères, tes petits frères, tes petites sœurs sont capables de voir aujourd'hui? Et demain ils viendront aussi dire, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu Yaya le faire, c'est parce que j'ai vu ma grande sœur le faire. Alléluia. Jeune, que fais-tu aujourd'hui que les autres derrière toi feront? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, je suis en train de chuter, on va prier. Regardez la femme atteinte
de la perte de sang. Oh. La femme atteinte de la perte de sang, mon ancien, la Bible dit qu'elle était malade depuis combien d'années, jeune? Les jeunes, la femme atteinte de la perte de sang, ça faisait combien d'années qu'elle était malade? Combien? Ok. La fille de Jaïrus. Qui était sur le point de mourir et qui était morte, était âgée de quel âge? Quel âge? Ok. Oh, quelle coïncidence. La femme atteinte de la perte de sang était en train de saigner depuis 12 ans. La fille de Jaïrus avait 12 ans d'âge. Mais il y a quelque chose qui m'étonne ici, mon ancien. Les deux sont guéris quasiment dans la même histoire. Mais maintenant, moi, il y a quelque chose d'autre qui m'étonne. Suivez-moi bien. Suivez, écoutez ce que je vais vous dire. Quelque chose m'étonne. Les deux sont guéris quasiment dans la même histoire. Mais pourquoi Jésus prend d'abord le temps de guérir la femme atteinte de la perte de sang avant de courir vers la fille de Jaïrus? Pourquoi il prend d'abord le temps de s'arrêter pour guérir la femme atteinte de la perte de sang avant de courir vers chez la fille de Jaïrus? J'ai compris une chose. La femme atteinte de la perte de sang représente une génération qui est en train de partir. Oh, je dis, suis-moi attentivement. La femme atteinte de la perte de sang représente une génération qui est en train de partir. Et la fille de Jaïrus représente une nouvelle génération qui est en train de monter. C'est comme ça que j'ai compris une chose. Lorsqu'une génération est en train de partir, elle est en train de saigner. La génération qui est en train de monter, si celle-là n'est pas guérie, sera malade. Si la génération qui est en train de partir est en train de saigner, cela signifie qu'elle est malade. Mais si elle n'est pas guérie, la génération qui arrive après elle, qui est censée monter, sera malade. C'est comme ça que Jésus prend la décision de d'abord régler le problème de la génération qui s'en va avant de s'occuper de la génération qui est en train de monter. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que je parle à un jeune? C'est comme ça que la restauration de l'église ne commence pas avec les enfants, mais ça commence avec les pères. Dieu doit commencer par restaurer la génération qui était là avant nous, c'est-à-dire les pères. Parce que si les pères sont malades, les enfants seront automatiquement malades. Oh, je vais t'expliquer ça autrement. Est-ce que je te bénis, jeune? Est-ce que je te bénis? Acclame pour le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, dans 10 minutes on va prier. Il y a une très forte grâce que le Seigneur va relâcher. Regardez, l'ânesse était attachée. Mais là je parle au bon lecteur de la Bible. Je sais qu'il y a des jeunes qui aiment lire la Bible. L'ânesse était attachée, mais l'âne n'était pas attaché. Celle qui était attachée, c'était l'ânesse, pas l'âne. Le père, ou ici plutôt la mère, on dit l'ânesse était attachée, mais pas le fils. Mais malgré le fait que l'âne n'était pas attaché, il ne pouvait pas aller loin aussi longtemps que la mère était encore attachée. C'est comme ça que Dieu, avant de s'occuper des jeunes, avant de libérer les jeunes, il est d'abord dans l'obligation de régler les problèmes avec les pères. Parce que jeune, aussi longtemps que le père reste attaché, même si toi tu n'es pas attaché, tu ne pourras pas partir. C'est comme ça quand Jésus envoie les disciples pour dire: allez me détacher cet anneau. L'anneau lui n'était pas attaché, c'était l'ânesse. Et il a dit: allez me les chercher. Lui il avait besoin de l'anneau. Celui qui était attaché ou celle qui était attachée, c'était l'ânesse, la maman. Mais pour que l'âne puisse partir, entrer dans sa destinée, il fallait d'abord
qu'on détache la mer. Alléluia. Je crois qu'en cette saison nouvelle, Dieu va restaurer l'image de son Église à travers la restauration d'une génération. Je répète, Dieu va restaurer l'image de son Église à travers la restauration de beaucoup de pères, à travers la restauration de plusieurs pionniers. Alléluia. En tant que jeune, tu dois comprendre que le Seigneur t'a établi comme un pionnier dans ta génération. Je répète, tu dois comprendre que le Seigneur t'a établi comme un pionnier dans ta génération. Tel que nous sommes ici, il y a des David parmi nous. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Je répète, il y a des David parmi nous ici. Il y a des Timothée parmi nous ici. Il y a des Joseph parmi nous ici. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a appelés depuis leur plus jeune âge à être à la tête d'une famille, à être à la tête d'une église, à être à la tête d'un système, à être à la tête d'une entreprise, à être à la tête de firmes multinationales et internationales. Il y a des jeunes que Dieu a appelés à être des millionnaires, à être des milliardaires, à être les premiers à ouvrir la voie à la royauté dans leur famille, à être les premiers à toucher 1 million dans leur famille, être les premiers à toucher 1 milliard dans leur famille, être les premiers à ouvrir la voie au mariage dans leur famille, être les premiers à ouvrir la voie à la stabilité dans leur famille, être les premiers à ouvrir la voie au ministère dans leur famille, être les premiers prophètes dans leur famille, être les premiers évangélistes, les premiers docteurs, les premiers pasteurs. Vous êtes des pionniers dans cette génération. Et ça signifie que demain, quand on parlera de votre famille, c'est toi que l'on verra maintenant. Quand on parle de la famille de David, on ne voit pas le père, mais on voit David. Quand on parlera de ta famille, c'est toi qu'on verra demain. Quand on parlera de l'église Mèche, cité de gloire, ce n'est pas le pasteur Christopher qu'on verra, mais c'est toi qu'on verra demain. Quand on parlera de la ville de Pointe-Noire, c'est toi qu'on verra demain. Quand on parlera du Congo, tu seras le portrait que l'on va présenter pour représenter la nation congolaise maintenant. Je dis ces choses, je suis en train de dire, mais qu'est-ce que le pasteur dit? Jeune, quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas ton âge. Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas ton âge. Je dis des choses, je sais que beaucoup dans leur esprit sont en train de dire, ce sont des choses qui me concernent, moi je suis encore trop jeune. Dieu m'envoie te dire ce soir, il ne regarde pas à ton âge. Et c'est dès ton plus jeune âge qu'il va commencer à faire ces choses avec toi. Je répète, c'est dès ton plus jeune âge que Dieu va commencer à faire ces choses avec toi. Tu crois cela? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi le meilleur des amen. Donne-moi un amen de jeune qui réalise qu'il est un pionnier dans sa génération. Paul dit à Timothée, moi, je m'en vais. On l'a lu dans 2 Timothée 4 ici. Moi, Paul, jeune Timothée, je m'en vais. Ma génération est en train de partir maintenant. Mais moi, j'ai gardé une chose. Et c'est le plus important, la foi. J'ai gardé la foi. Il a ajouté, dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Il a ajouté, dit, j'ai achevé la course. Mais toi, génération qui arrive maintenant après, s'il te plaît, sois sobre en toutes choses. Comme moi j'ai pu le faire. Toi aussi supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Quand on parle de ministère ici, c'est en réalité la mission, le travail que Dieu t'a donné à faire sur cette terre. Tout travail que le Seigneur te donne à faire, c'est ça qu'on appelle un ministère. Alléluia. Tout travail que Dieu te donne à faire sur cette terre, c'est ça qu'on appelle un ministère. Il dit alors fais bien ton ministère s'il te plaît. Je parle à Timothée ce soir. Peu importe ton âge, peu importe le ministère auquel le Seigneur t'a appelé, ne perds pas ton temps. N'autorise jamais qu'il y ait des personnes qui viennent te faire perdre ton temps. Tu as une mission. Une génération s'en va et une autre en train d'arriver. Dieu est sur le point de susciter une nouvelle génération. Parce que dans le monde spirituel, il y a une génération qui est en train de partir. Je répète, dans le monde spirituel, il y a une génération qui est en train de partir. Il faut que tu aies un regard prophétique sur les choses qui se passent.
Je dis, il y a une génération qui est en train de partir et il y a une nouvelle génération que Dieu veut susciter. Et Dieu est en train de chercher des pionniers qu'il va utiliser maintenant. Alors je conclue avec ce passage dans Apocalypse. Je me suis toujours posé la question. Et c'est ce matin, quand je préparais ce message, que je crois avoir trouvé la réponse. Je ne prétends pas avoir toute la révélation de ce passage, mais je crois, à mon humble avis, avoir trouvé au moins une partie de ce que l'Apocalypse ici voulait nous dire. Je suis dans Apocalypse chapitre 19, au verset 10. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Pourquoi on dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et là, la première image qui vient dans mon esprit, c'est l'image d'une course de relais. J'ai besoin rapidement de trois personnes. Trois jeunes. Venez, vite, 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 vite. Un, deux, trois. Un troisième. Venez rapide. Regarde. Alléluia. Voilà. Apocalypse, l'auteur de l'Apocalypse est en train de nous dire, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et je vous ai dit, l'image qui m'est venue dans mon esprit, c'est la course de relais. Vous connaissez tous, non? On est parmi les jeunes. Tout le monde sait c'est quoi la course de relais. Tout le monde est sportif comme moi. Pourquoi vous dites pas amen? Tout le monde est sportif comme moi. Tout le monde court comme moi. Très bien, ok. Vous savez, j'étais un grand coureur. Dites amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez dit amen. J'étais un très grand coureur, j'étais très rapide. Ok, c'est pas grave. Alors, dans une course de relais, il y a quelqu'un. Tiens, prends ça s'il te plaît. Dans une course de relais, il y a toujours quelqu'un qui commence la course. Alléluia. Suivez ce que je vais vous expliquer. Il y a toujours quelqu'un qui commence la course. Et il a entre ses mains ce qu'on appelle un bâton. Dites avec moi, un bâton. Maintenant, le bâton que celui qui... Le bâton dans le relais, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça comment? Le témoin. Ah, tiens, tu étais sportif aussi. Oui? Non, mais tu ne me battais pas quand même. Le témoin. Alléluia. Le bâton qu'on a dans les mains quand on court dans une course de relais, ça s'appelle un témoin. Alléluia. Alors, donc, dans une course de relais, ils peuvent être 3, ils peuvent être 4, ils peuvent être 5, peu importe. Généralement, ils sont 4. Le premier qui commence la course, ici, c'est Russell. Il a entre ses mains ce qu'on appelle entre ses mains un témoin. Alléluia. Okay. Mais, non. Donne le témoin plutôt derrière. Ça va être plus simple à expliquer comme ça. Donne-lui le témoin. Voilà. C'est lui qui commence la course. Pendant que le premier court, ça veut dire lui, quand il est en train de courir, il est censé passer le témoin à celui qui est devant lui. Alléluia. Mais dans une course de relais, quand lui il est en train de courir avec le témoin dans les mains, l'objectif est qu'il puisse passer le témoin à celui qui est devant. Alléluia. Mais maintenant regardez ce qui se passe. Dans une course de relais, il y a deux choses qui peuvent vous disqualifier. C'est lorsque celui qui court sort de son couloir. Parce que dans une course de relais, il y a un couloir. Alors si lui, il court hors de son couloir, automatiquement, ils sont disqualifiés. Mais s'il reste dans le couloir, bon, que quelqu'un vienne le remplacer, s'il vous plaît. Un autre jeune. Emmenez un autre jeune. Mon jeune frère risquera de tomber même avant que je finisse d'expliquer. C'est un truc simple que je suis en train d'expliquer. Mais en réalité, ce sont des choses de l'esprit que je suis en train d'expliquer. Alléluia. Bon. Lui, quand il va courir, l'objectif est qu'en courant, il puisse transmettre le relais à l'autre. Quand il court, il doit avoir le témoin. Il doit rester dans son couloir. S'il sort de son couloir, il disqualifie tout le monde. S'ils restent dans son couloir, ils ne sont pas disqualifiés. Pendant qu'ils courent, le témoin peut tomber. Mais ça ne
disqualifie pas. Pourquoi? Tu as la capacité de pouvoir reprendre le relais et continuer la course. Mais il sort de son couloir, il est disqualifié. Maintenant, lorsqu'il arrive au moment où il doit transmettre le relais à celui qui est devant lui, lui maintenant, en réalité, lui, il est dans l'obligation de se préoccuper de celui qui doit lui emmener le bâton. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester dans cette position. Il est dans l'obligation de regarder vers celui qui est en train de lui apporter le témoin. Pourquoi? Parce que la deuxième chose qui peut vous faire disqualifier, c'est un mauvais passage de témoin. Ça veut dire quoi? Lui, quand il est censé recevoir le témoin, il n'est pas appelé à être statique, à rester comme ça. Il a un bâton qu'il doit recevoir. Mais il n'est pas appelé à être statique, à dire, vas-y, emmène-moi le bâton. Il faut qu'il soit en mouvement. Ça veut dire qu'il doit même commencer à courir. Pourquoi? Pour ne pas perdre la vitesse que lui est en train de mener quand il lui donne le bâton. Mais maintenant, lui, quand il doit commencer à courir, il ne peut pas aller trop vite, ni trop lentement. S'il va trop lentement, qu'est-ce qui se passe? Il va retarder tout le monde. Mais s'il va trop vite, il y aura un mauvais passage de témoin, ils seront disqualifiés. Ça veut dire, en attendant le témoin, il doit courir, mais essayer de caler sa course par rapport à celui qui est en train d'arriver. Alors c'est comme ça que lui, quand il arrive, viens, il lui donne, lui il prend et continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Une génération est partie, une autre génération a pris le relais. Mais maintenant, entre les deux, la transition s'appelle comment? Le bâton. Il ne peut pas avoir de transfert d'une génération à une autre sans passage de témoin, sans passage de bâton. Tu dis être d'une nouvelle génération, mais qui t'a donné le bâton? Tu as reçu le bâton de qui pour t'affirmer et dire je suis pionnier dans ma génération? Tu as reçu le bâton de qui? Lui, quand il a reçu, il était dans l'obligation, avant de commencer à courir, de se focaliser sur lui. Mais une fois qu'il a reçu, il n'a plus besoin de se focaliser sur lui. Il regarde. Je suis le Dieu d'Abraham. J'ai fini avec Abraham. Isaac a pris le témoin, le bâton. Je dois aller. Dieu travaille de génération en génération. Celui qui a commencé s'appelle Abraham. Le témoin est entre les mains d'Isaac. Le témoin est appelé à aller chez Jacob maintenant. Le même procédé qui s'est passé ici entre Abraham et Isaac, c'est le même procédé qui doit se passer entre Isaac et Jacob. Ça veut dire lui, il commence à courir. Jacob, tu dois être prêt maintenant à recevoir le témoin, le bâton. Mais maintenant, église, regardez. Je vous ai dit, l'un des problèmes, c'est quoi? Reprends ça. C'est que quand vous avez le bâton, ce qui peut te disqualifier, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir de ton couloir. Le problème de notre génération, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on veut te donner le bâton. Mais quand tu reçois le bâton, tu commences à courir, mais tu veux sortir du couloir qu'on t'a donné. Paul dit, Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. En d'autres termes, j'ai fini ma part. Je te donne maintenant le témoin. Tu continues la suite. Mais s'il te plaît, Timothée, fais bien les choses du ministère, reste sobre. Je te donne le bâton. Tu es pionnier dans ta génération, mais reste dans ton couloir. Votre problème, le problème de cette génération, c'est que lorsque Dieu commence à vous utiliser, vous voulez maintenant sortir du couloir. Vous voulez faire les choses comme vous maintenant. Dieu dit, si tu dois recevoir le bâton, tu dois regarder d'abord l'autre pour calquer en réalité ta course par rapport à lui. Ça veut dire ce que tu fais dépend de ce que tu as vu l'autre en train de faire. Ça veut dire le couloir dans lequel il est, tu n'es pas appelé à sortir de ce couloir.
Mais toi, dans ce couloir, tu dois garder simplement ta spécificité. Mais reste dans ce couloir. Ne cherche pas à nous apporter notre évangile. Ne cherche pas à apporter notre christianisme. Ne cherche pas à apporter un nouveau parler en langue. Ne cherche pas à inventer de nouveaux dons spirituels. Ne cherche pas à inventer de nouveaux passages bibliques. Reste dans le couloir. Pourquoi? Parce que regardez. Lui, quand il va transmettre le bâton, il fait semblant de courir. Vous voyez, lui, quand il court en tenant le bâton dans la main droite. Quand il transmet, lui, il tient maintenant avec la main gauche. Lui, comme il est gaucher, il a pris le relais. Et quand il court, commence à courir, il ne court plus avec la main droite. Il court, lui, en tenant le bâton dans la main gauche. Est-ce que le bâton a changé? Ils sont toujours dans le même couloir, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Que le bâton soit tenu par une main droite, que le bâton soit tenu par une main gauche, que celui qui a commencé la course était en train de courir comme ça, celui qui a pris après qu'ils sont en train de courir comme ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le bâton reste dans les mains, que nous puissions rester dans le couloir. C'est comme ça qu'on peut être dans le même couloir, hein. Mais en réalité, chacun a sa spécificité, chacun a sa spécialité. Donne au troisième. Lui, quand il prend, il est censé maintenant finir la course. Vas-y. Il a passé la ligne d'arrivée. La course est terminée. La question que je me pose, quand lui, il termine la course, c'est qui a passé la ligne d'arrivée? Qui a passé la ligne d'arrivée? C'est lui. Bon. Est-ce que ça signifie que lui qui a commencé la course est moins important que celui qui a terminé? Votre problème dans votre génération, dans cette génération, c'est qu'on veut juste être sous les feux des projecteurs. On veut être celui qui va terminer la course. Parce que généralement, c'est celui qui passe la ligne d'arrivée qu'on regarde en premier. Donc on veut juste être sous les feux des projecteurs. On veut être le dernier dans la course de relais. Parce qu'on se dit, quand moi je passerai la ligne, c'est moi le plus important. Non, en réalité, j'ai même envie de dire, le plus important, c'est celui qui commence. Parce que si lui, il prend un mauvais départ, il sera difficile pour les autres de pouvoir achever la course correctement. Donc le plus important, ce n'est même pas celui qui termine la course, mais c'est celui qui commence. C'est comme ça que j'ai envie de dire à des jeunes ici en ce lieu. Vous n'êtes pas peut-être parmi les jeunes qui ont commencé, mais le plus important, c'est qu'à la fin, vous soyez également inscrits sur la liste. J'ai envie de dire à des jeunes qui ont commencé également, ne soyez pas frustrés parce qu'il y a des gens qui arrivent après vous et qui sont sélectionnés sur la ligne d'arrivée. Ça ne veut pas dire que vous qui avez commencé, vous êtes oubliés. Non, vous êtes aussi importants, vous qui avez commencé, que ceux qui ont eu à terminer la course. Le bâton doit passer. Chacun sa spécificité. Chacun son domaine. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Maintenant, regardez. Chacun doit rester dans son couloir. Chacun doit rester dans son domaine. C'est le bâton. Et j'ai dit, celui qui commence en réalité est même le plus stratège. Mais lorsqu'il y a transfert de bâton, la nouvelle génération doit faire attention. Même si Dieu vous appelle à regarder ce que faisait l'ancienne génération, quand vous avez le bâton entre les mains maintenant, vous n'êtes pas appelé, tout en restant dans le couloir, à faire le copier-coller de celui qui vous a donné le bâton. Le problème de cette génération, c'est qu'on veut faire le copier-coller de celui dont on a reçu le bâton. S'il courait avec le bâton dans la main droite, alors que tu es gaucher, tu veux courir avec le bâton dans la main droite, et voilà comment tu perds le bâton et tu disqualifies les autres. C'est comme ça que dans cette génération, on n'est plus original. On copie tout. Même les parler en langue, on copie. Alléluia. Même les parler en langue, on copie. C'est comme ça que moi j'ai du mal dans cette génération avec le baptême du Saint-Esprit de beaucoup de jeunes. J'ai du mal.
Je l'ai dit une fois, l'ancien j'étais à Kinshasa, j'ai déjà beaucoup de mal avec le parlant langue de beaucoup de personnes. Parce que je ne peux pas comprendre que Dieu, quand il te baptise du Saint-Esprit, te donne exactement le même parler en langue que la sœur là-bas ou le frère là-bas. Vous allez prendre les parlants en langue des pères ou des gens que vous prenez comme modèle et vous les parlez en langue comme eux maintenant. Parce qu'il dit qu'il y a un con. Toi aussi quand tu prends, tu dis qu'il y a un con. Parce qu'on est venu vous dire que si tu parles en langue comme tu parles en langue, tu es encore un bébé. Non, tu peux plus faire. Non, il faut maintenant que tu rajoutes. Likuya kuturubu ya kakala. Sikuya kuturubu luika tatorobo lobo ika yabalaba ikarobo yokolobo ya kataraba yaba. Likukurubu yukurubu ya karaba laba yaba madesu. Alléluia. Quand le bâton est transmis, vous êtes toujours dans le même couloir. Mais garde ta spécificité à toi. Garde ta spécificité à toi. Alléluia. Le Dieu qui est apparu à Jacob lui dit, je suis le Dieu de tes pères, mais je suis aussi ton Dieu. Quand Dieu apparaît à Jacob, il dit, je suis le Dieu de tes pères, mais je suis aussi ton Dieu. J'aimerais dire à un jeune ce soir, le Dieu de nos pères est également votre Dieu. Le Dieu de la génération précédente est également le Dieu de cette génération. Voilà pourquoi si celui qui a commencé la course est prophète, celui qui vient après n'est pas dans l'obligation d'être un prophète. Non, c'est faux. Dieu peut commencer la course avec un prophète, mais il passe le témoin à un pasteur, et le pasteur passe un témoin à un évangéliste. L'évangéliste passe le témoin à un docteur. Le docteur passe un témoin à un apôtre. C'est pas dans l'obligation, parce qu'il a commencé avec un prophète, que derrière il n'y ait que des prophètes. Non, non, non. C'est à cause de ça que vous passez à côté de vos appels, parce que vous voulez tous devenir prophètes. Vous voulez tous devenir des prophétesses. Dieu t'appelle à être un pionnier, mais il t'a donné une spécificité à toi. Jeune, il t'a donné une spécificité. Si Dieu ne t'a pas appelé à être un prophète, tu ne seras jamais un prophète. Ou alors tu seras un faux prophète. J'ai dit, si Dieu ne t'a pas appelé à être un pasteur, tu ne seras jamais un pasteur. Ou alors tu seras un faux pasteur. Reste dans ton couloir. Prends le bâton et reste dans ton couloir. Vous savez, si Jacob était ici, ce que je suis en train d'expliquer, il allait acclamer, pousser des cris de joie. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Jacob est celui qui a sorti 12 tribus. Il a sorti 12 enfants. Il est celui qui a combattu contre l'Éternel. Mais parmi les enfants de Jacob, il y en a un qui s'appelait Joseph, mais qui avait la particularité d'avoir la royauté en Égypte. Mais en dehors de Joseph, il avait un autre enfant qu'on appelait Judas. Dites avec moi Judas. Judas aussi était roi. Mais à la différence de Joseph, la royauté de Judas est appelée à être éternelle. La royauté de Joseph, c'était en Égypte. Mais Judas, lui, était appelé à être roi de manière éternelle. La Bible dit de Judas, quand vous allez dans Genèse chapitre 49, je crois, lorsque Jacob est en train de libérer les bénédictions sur ses enfants, il dit quoi? Le sceptre. C'est quoi un sceptre? C'est un bâton royal. Il dit le sceptre, le bâton royal, ne s'éloignera point de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie. Ça veut dire qu'il y avait donc dans la descendance de Jacob deux rois. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'en vis jamais celui qui vient avant toi. Je répète, n'en vis jamais celui qui vient avant toi. Ne cherche pas à tuer jeune
celui qui a commencé avant toi, celui qui vient avant toi. Parce que si Judas cherchait à tuer Joseph, ou si Judas avait tué Joseph, il allait rater la protection et lui n'allait jamais devenir roi. Parce que la mission de Joseph était de protéger Judas quand il allait se retrouver en Égypte. Est-ce que tu as compris ça? La mission de Joseph était de protéger ses frères quand il allait se retrouver en Égypte. Or, parmi les frères de Joseph, il y avait Judas. Donc si Judas avait tué Joseph, Judas ne serait jamais devenu roi. Ne cherche jamais, jeune, à tuer celui que Dieu élève avant toi. Est-ce que je parle à un jeune? Ne cherche pas à tuer un jeune que Dieu élève avant toi. Ne fais jamais cela. Parce qu'en le tuant, en réalité, tu es en train de tuer ta propre protection à toi. Parce que celui qui est appelé avant toi est appelé à te protéger demain. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que je parle à un jeune? Si tu me gardes, je te garde. Si tu me gardes, je te garde. La course que je vous ai montrée tout à l'heure, ce n'est pas pour une personne, c'est pour une équipe. Quand Paul dit j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. La course dont il parle, c'est une course collective. Voilà pourquoi il vient transmettre le bâton à Timothée. C'est une course qui est collective. Recevoir le bâton, tu dois te focaliser sur toi-même. Non pas sur toi-même plutôt, j'ai dit, mais sur la génération précédente. C'est comme ça que quand Élie est en train de partir, il dit à Élisée, tu veux la double portion, tu veux le bâton, tu veux le manteau, focalise-toi sur moi. Regarde-moi pendant que je serai enlevé au milieu de ce tourbillon. Celui qui veut le bâton, celui qui veut être le pionnier dans sa génération. Parce que celui qui a le bâton, c'est celui qui est le pionnier dans sa génération. Celui qui veut être le pionnier dans sa génération, celui qui veut le bâton, doit se focaliser non pas sur lui-même, mais sur la génération qui est en train de partir. Or, on n'attend pas le bâton en restant les bras croisés. On n'attend pas le bâton en restant, croisé. Le problème dans cette génération, c'est que nombreux manquent d'échauffement. Alléluia. Nombreux manquent d'échauffement. Vous ne vous échauffez pas, vous n'êtes pas prêts. Quand il y a un match de foot, il y a 11 joueurs, il y a un banc de touche. Ceux qui sont sur le banc de touche qu'on appelle les remplaçants, il y a un moment donné, le coach leur dit, allez vous échauffer. Pourquoi? Parce que très bientôt, on va faire appel à vous pour entrer sur le terrain. Mais si tu ne t'échauffes pas, on ne fera pas appel à toi pour entrer. Tu veux le bâton? Il faut que tu commences à t'échauffer maintenant. S'échauffer, ça veut dire quoi? Enferme-toi en prière. Médite la Bible jour et nuit. Lis la parole de Dieu. Va en retraite. Même si on ne t'a pas programmé, va écrire des messages. Écris des messages. Votre problème, c'est que vous attendez qu'on puisse vous programmer pour commencer à écrire. Non, en tant que jeune, tu dois avoir déjà des carnets et des carnets de messages qui sont écrits parce que tu es en train de t'échauffer. Parce que le jour viendra où le coach va prendre le sifflet et va dire maintenant, jeune, ton temps est arrivé. Mais si tu ne t'es pas échauffé, comment seras-tu efficace sur le terrain? Est-ce qu'il y a des jeunes ce soir qui sont prêts à recevoir le bâton? Quand je priais ce midi, le Seigneur m'a dit, il y a des jeunes en ce lieu à qui je dois donner le bâton. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a des jeunes en ce lieu que j'ai appelés à être des pionniers dans cette génération à qui je veux transmettre le bâton. Il m'a dit, il y en a qui se sont déjà échauffés, il y en a qui sont prêts. Mais je veux susciter une génération de pionniers maintenant. Parce qu'une génération est en train de partir et une autre doit venir maintenant. Kalabashata, mets-toi debout dans la présence de Dieu. Oh. Il nous reste 10 minutes. Wow. Je sens la grâce.
je sens la grâce. Je répète, jusque hier soir, je ne savais pas quoi dire. J'étais en train de dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et quand Dieu m'a parlé ce matin, quand j'ai fini ce message, il m'a dit, va dire à mon église, va dire à ces jeunes, je veux susciter maintenant. Je veux susciter des pionniers dans cette génération. Je ne suis pas là pour regarder à leur âge. Je ne suis pas là pour regarder à leur âge. Je ne suis pas là pour regarder à leur âge. Mais je vais accomplir avec eux des choses nouvelles. Des choses que je n'ai jamais fait avec des jeunes auparavant. Je veux accomplir avec eux des exploits que je n'ai pas accomplis avec d'autres jeunes auparavant. J'ai envie d'accomplir avec cette jeunesse des exploits que je n'ai pas vu à faire auparavant. J'ai envie d'écrire une nouvelle histoire avec cette jeunesse. Une génération en train de partir. J'ai besoin d'une nouvelle génération. Il y a des Élie qui sont en train de partir. Dieu cherche des Élisée qui sont prêts à recevoir le bâton. Qui sont prêts à recevoir le bâton. Qui sont prêts à recevoir le bâton. Est-ce que tu peux prier? Avant que je prie pour toi, est-ce que tu peux prier? Je te donne 2-3 minutes. Est-ce que tu peux lever la voix? Jeune, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il y a des David ici. Il y a des Joseph ici. Il y a des Samson ici. Hey! Il y a des Jacob ici. Il y a des Isaac ici. Préparé par cette prière à recevoir un bâton. Là tu es en train de te préparer. Prépare-toi à recevoir le bâton. Prépare-toi à recevoir le bâton. Prépare-toi à recevoir le bâton. Chakakaka. Yaba baba baba. Yaba baba baba. Hey. Hey. Génération s'en va, une autre génération vient, une génération s'en va, une autre génération vient. Les pionniers de cette nouvelle génération sont où? Où sont les pionniers de cette nouvelle génération?
ce soir. Il y a des David qui vont être loin ce soir. Des David vont être loin ce soir. L'histoire de ta famille va changer à travers toi. L'histoire de cette église va changer à travers toi. L'histoire de cette ville va changer à travers toi. J'ai vu le ciel être ouvert. Et j'ai vu un gros battant et des petits battants. J'ai vu un gros battant et des petits battants. Oh. Il m'a dit plusieurs sont appelés à être des David. Mais j'ai envie de te dire, jeune, Dieu n'appelle jamais les paresseux. Dieu n'appelle pas les paresseux jeunes. Tu es appelé à être un pionnier, mais je répète, Dieu n'appelle pas les paresseux. Quand Dieu appelait David, il n'était pas à la maison les bras croisés. Il était en train de s'échauffer dans la forêt parce qu'il y avait un Goliath à vaincre. Oh. La première catégorie de personnes qui vont recevoir le bâton. Wow. J'aimerais que tu aies les yeux fermés maintenant. Wow. Ce sont des hommes et des femmes de la nature de David qui sont destinés à introduire la royauté, à être des pionniers de leur famille en faisant entrer la royauté. Ouh. Il y a des jeunes ici qui sont appelés à introduire la royauté, c'est-à-dire à casser un système de pauvreté établi dans leur famille. Ah. Je vais compter jusqu'à 7. Vous allez me prendre ces trois jeunes qui vont recevoir ce bâton et me les emmener devant. C'est la première catégorie. Je vais compter jusqu'à 7. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez le bâton. 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 Voilà. Reste là où il est, reste là où il y a Russell, il fait partie de ces jeunes. Il y a Baba, il y a lui, il y a Glad. Ils sont trois, je cherche le troisième. Bon. C'est un bâton royal qu'ils vont recevoir entre les mains. Vous ne saurez pas pouvoir les contrôler. C'est en train d'arriver dans leurs mains. La deuxième catégorie de personnes, attention, qui va recevoir le bâton maintenant. Il me dit, ce sont des jeunes qui sont ici.
mais qui sont appelés à exercer le ministère. Quand je parle de ministère, je parle de ministère don. Ils sont appelés à être des pionniers dans leur ministère. Il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. J'ai vu 5 jeunes. Aux 3 premiers, vous allez ajouter ces 5. Je vais compter jusque 7. Ça fait 5 plus 3, 8. Vous allez m'emmener ces 8 jeunes. Une fois qu'ils vont recevoir le bâton, parce qu'ils ne pourront pas le tenir. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recevez, 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 recevez. Oh. Ouais. Yes, reste dans ce fond. Mais baisse-moi juste un peu le piano. Wow. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus maintenant. J'ai dit, il y en avait 3 premièrement, puis 5. C'est les 2 premières catégories. Ça fait 8. Protocole. Maintenant, ces personnes sont en train de recevoir un bâton entre leurs mains. Ouais. Ça va brûler dans leurs mains. D'autres sont comme David en train de recevoir une huile sur leur tête. Cette huile symbolise également ce bâton. Ouais. Il y a des Eliab et Abinadab qui ont voulu oindre, mais lui il a refusé de sortir. C'est parce que cette huile devait couler sur ta tête ce soir. Ah. L'huile qui n'est pas sortie, qui n'a pas coulé sur la tête de Eliab et Abinadab, c'était pour couler sur ta tête à toi ce soir. Ouais. 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 Bagele beso levaya. Maleva de kadeva sova e kabaya. Bele brade leveso levai karamande leveso levaya. Shabra e kadele vasova. Kela de seva dorubu shaida de leveya ba. Kanana mandele veya baba. C'est une autre génération que Dieu est en train de susciter. Une génération s'en va, puis une autre vient. Dans cette génération, il y a des pionniers. Et Dieu est en train de vous donner l'onction, le bâton qui va vous permettre d'accomplir les exploits dans votre génération. Dieu vous appelait à être des leaders dans cette génération. Dieu vous appelait à être des leaders dans cette génération. Wow. Ça, c'est pour tous ceux qui sont appelés à servir maintenant. Avec des ministères dans. Il y a des ministères qui vont éclore, des ministères qui vont exploser, d'autres ont même déjà commencé. Mais il me dit leur ministère va exploser après la réunion de ce soir. Parce que l'onction qui accompagne les pionniers va déverser et va tomber sur eux maintenant. Il reste 5 minutes. L'onction qui accompagne les pionniers est relâchée et va tomber sur eux maintenant. Oh, lève tes deux mains vers le ciel. Quelqu'un prêt à recevoir cela maintenant. Saint-Esprit. Père. Père. Tu m'as dit, ce culte, tu suscites des pionniers pour une génération nouvelle. Je suis venu faire pas ce que moi j'ai envie de faire, mais ce que toi tu m'as demandé de faire. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par ta force que ces hommes et ces femmes maintenant sont en train de recevoir une onction fraîche. Que ces hommes et ces femmes que tu as établis à être les pionniers dans cette génération sont en train de recevoir maintenant. Il y a des gens ici, des jeunes que Dieu a appelés à être élevés dans le domaine des affaires, qui ont l'onction de la richesse également sur leur vie. Il y a le bâton qu'ils vont recevoir également. Alors qu'il reste 3 minutes,
Je vois le bâton. Je vois l'huile. Et j'entends un grand bruit maintenant. J'entends un grand bruit, comme un boum, comme le bruit d'une explosion. Il me dit dans cette génération, ces hommes et ces femmes vont exploser. Oh. Ces hommes et ces femmes vont exploser. Saint-Esprit, où sont ces hommes et ces femmes que toi tu as établis, que toi tu as appelé à être des pionniers? Ce que tu m'as montré en esprit, où sont-ils maintenant? Où sont-ils maintenant? Où sont-ils maintenant? Saint-Esprit, où sont-ils maintenant? Où sont-ils maintenant? Où sont-ils maintenant? Où sont-ils maintenant? Oh, je vois une force. Une force. D'autres vont avoir mal au bras. Parce que eux, Dieu les a appelés non seulement au ministère, mais il a déposé également la richesse entre leurs mains. D'autres vont se sentir comme des chaleurs au niveau de leur tête. D'autres vont sentir quelque chose qui va bouillir, comme quelque chose qui est en train de bouillir à l'intérieur de leur ventre. Oh. C'est dans cette minute qui reste à maintenant que le Saint-Esprit est en train de le faire. Il y a une génération qui part et une autre qui vient. Et il y a un bâton dans cette transition qui doit être transmis maintenant. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus maintenant. Recevez-le au nom de Jésus maintenant. Recevez-le au nom de Jésus maintenant. Oui, faites attention où il y a Patricia. Là où il y a Neftali. Là où il y a Jesse, là-bas dans le fond où il y a Fabien, là où il y a. Oh, je vois également le frère qui est assis là-bas dans le fond. Il y a un bâton, là où il y a toutes ces personnes, là où il y a la sœur également. Jessie et l'autre sœur derrière, là, j'ai même oublié son prénom. Mon Dieu. Mon Dieu. Père, merci. Merci pour ces hommes et ces femmes à qui tu es en train de transmettre maintenant ce matin. Saint-Esprit, merci. Cette génération. Merci pour cette génération nouvelle que tu es en train de susciter. Tous ceux que j'ai appelés, vous êtes appelés à accomplir des choses extraordinaires avec le Seigneur dans cette génération. Ne regardez plus jamais à votre âge. Ne regardez plus jamais à votre âge. Ce que Dieu veut faire avec vous maintenant dépasse toutes sortes d'entendements. Ce que Dieu veut faire avec vous dépasse toutes sortes d'entendements. Donnez-moi ces personnes que j'ai appelées. Je vais prier pour eux. Et je vais faire une dernière prière pour tous les autres jeunes ici.
aider Taliane à emmener ce frère derrière. Emmenez ce frère. Aidez-le à me l'emmener. Je veux juste prier pour moi. Une dernière prière. Tout ce que je vous ai dit ce soir, en réalité, ne peut être valable que si tu as déjà commencé par accepter Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es jeune en ce lieu. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lève la main là où tu es. Gloire à Jésus. Maintenant, tu as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu sens au plus profond de toi que ta relation avec lui a pris un coup. Lève la main si tu es là. S'il y en a, je vais prier avec toi. Tu veux restaurer cette relation avec ton Père ce soir. Lève ta main si tu es là. Alors, lève ta main droite, tu vas faire cette prière. On va finir comme ça. Lève ta main droite. Tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu m'as parlé ce soir. Tu es venu m'établir comme un pionnier dans ma génération. Ce soir, je déclare, je sors de ce culte en ayant reçu le bâton, en ayant reçu cette onction qui va me permettre d'accomplir des exploits avec toi dans cette génération. Désormais, je ne te servirai plus. Je ne marcherai plus avec toi comme je pouvais le faire auparavant. Au nom de, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Dieu ce soir? Oh, est-ce qu'un jeune peut acclamer royalement pour Dieu ce soir? Est-ce qu'un pionnier de cette génération peut acclamer royalement Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un que Dieu a béni peut acclamer royalement Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un qui sent qu'il a reçu les bâtons peut acclamer royalement Dieu pour ce haut? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Nous sommes à la fin. Nous avons reçu le go et on va aller impacter cette génération. Nous avons reçu le go et nous allons aller impacter cette génération. Que Dieu te bénisse. Alors très rapidement, on va offrir à Dieu. Pas besoin de demander si tu as été béni ou pas. Je sais que tu as été béni. Juste par tes acclamations, je comprends que tu as été fortement béni. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui dit toujours, un chrétien sérieux ne vient pas, mais vite dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors très rapidement, avançons avec nos offrandes. Nous avons trois paniers, le panier des dîmes, action de grâce et offrande ordinaire. Donc, librement venez. Avançons avec nos offrandes.
Alléluia. Alors, à ce niveau des cultes, on aimerait savoir s'il y a le nouveau venu. Vous êtes ici. C'est votre première fois de prier avec nous dans notre culte de, voilà, un samedi soir comme ça. Est-ce que tu peux juste balancer ta main si c'est ta première fois de prier avec nous? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que vous pouvez encore vous tenir debout, s'il vous plaît? Faites cet petit effort de vous tenir debout. On va vous recevoir. Nous voulons vous accueillir. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères? Soyez les bienvenus parmi nous. Alléluia. Avant la fin de ces cultes, ne soyez pas pressés de partir. Il y aura quelqu'un qui viendra vers vous pour échanger avec vous pendant une ou deux minutes seulement. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Qui sommes-nous? Nous sommes le jeune porteur des gloires. Alléluia. Et officiellement, pour cette année, c'est ce soir que nous venons de relancer nos cultes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Donc désormais, chaque mois, on commencera à se retrouver comme ça, une fois pour communier et puis partager la parole des dieux. Demain, on va vous donner plus d'informations pour notre département et pour les activités qui sont en vue. Amen, amen. Alléluia. Alors, c'était tout pour ce soir. J'aimerais que tu te tiennes debout. On va clôturer ces cultes ensemble. Je vais inviter ici respectueusement le responsable. Papa Obélin va venir pour clôturer ses cultes. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui pendant qu'il avance? Acclame, acclame, il est en train d'avancer. Acclame, 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 acclame. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour les vies qui ont été transformées. Merci pour ta parole. Merci pour le bâton, merci de ce que tu fais de nous, des jeunes qui allons impacter cette génération, qui allons être des pionniers dans cette génération. Merci encore pour tout ce que nous avons reçu et nous croyons au Dieu que par le Saint-Esprit nous en ferons bon usage au nom de Jésus. Merci de nous accompagner dans nos maisons respectives. Amen. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Father, I don't wanna love nobody but you. I really mean it this time. I don't wanna love nobody but you. Jesus, I don't wanna love nobody.